La sorte noire. Avant d'y aller, désolé pour toutes les précautions. Mais je préfère pas prendre de risques. Parfois, c'est plus facile de foutre le canon d'un Malorian dans les côtes d'un Tchoum, même s'il est de ton côté. Rien de personnel, j'espère que tu m'en voudras pas. Non, non, je t'en veux pas. C'est bon, tu devais vérifier. J'aurais fait la même. Tu m'en diras tant. Hey, V. T'as vraiment pas l'air d'être du métier. Pourquoi tu dis ça? T'es monté dans la bagnole d'un accord. T'as de la chance que ce soit bien moi. J'ai vérifié les données de la FIA pour trouver des infos sur toi. T'as un profil intéressant. Contre-espionnage d'Arasaka, renvoyé pour des raisons tenues secrètes. Et maintenant, merc freelance travaillant avec la FIA depuis hier soir. Mais un truc m'échappe. Pourquoi t'es venu te foutre dans cette merde? Songbird m'a recruté. Tu la connais? Somi. Y'a un souci? On bossait ensemble à une époque. Pensais plus jamais entendre parler d'elle, mais... elle a un don pour s'attirer des ennuis. Bon, il est grand temps d'aller voir notre demoiselle en détresse. L'adresse, s'il te plaît. Juste pour info, je sais pas si ça va te plaire. Je t'écoute. Le bâtiment abandonné sur Crest Street, 8e étage. T'as raison, ça me plaît pas. Tu l'as laissée toute seule, à Dogtown? Myers peut prendre soin d'elle. C'est pas une demoiselle en détresse. Je l'ai vue en action. Ouais, moi aussi. C'est pas son premier rodéo. Elle a survécu à quelques tentatives d'assassinat, c'est une dure à cuire. Mais quand même... c'est la présidente. Nathan, je dois répondre. C'est mon jour de repos, pourquoi vous m'appelez? Aux dernières nouvelles, c'est vous le manager. Écoutez, demandez à Bob, il me doit une faveur. Ouais, ben c'est con alors, parce qu'il va falloir faire sans moi. C'était mon boss. Je travaillais dans un club, tu vois, comme videur. Je vois bien un point commun entre nous. On a du potentiel, mais on sait pas l'exploiter. Parce que bosser pour Arasaka, c'est exploiter son potentiel. T'as une dent contre Arasaka? Ils t'ont marché sur le gros orteil. Ouais, ils ont essayé de me descendre. Ils se sont loupés. Fin de l'histoire. Ça nous fait deux points communs. Et je pense qu'on va en trouver d'autres. Eh ben, j'avais pas prévu ça pour mon jour de repos. Sauver la présidente. C'est digne de ce qu'on voit dans les déesses d'action, hein? Ouais, peut-être. Myers fume toujours? Elle s'en est grillée une sur le balcon ce matin. Pourquoi? Elle a tendance à fumer quand elle perd le contrôle de la situation. Il est grand temps d'aller l'aider. On y va. Alors c'est ici. 8e étage? Ouais. Passe devant.
Ici Kurt Hansen. Franchement, ça m'inspire pas vraiment confiance. Relax, elle est pas seule. On s'est fait des nouveaux tchoums, des locaux. Les présentations étaient un peu rudes, mais elle a usé de son charme. Elle a sûrement trouvé son équipe de campagne pour Dogtown à l'heure qu'il est. C'est de pire en pire, cette histoire. Quelqu'un avait essayé de l'emmener de force, tout l'étage serait déglingué. Elle se rendrait pas sans se défendre. Passe devant.